Bonjour à tous, vous êtes bien sur les chaînes Julien Didier Garofalo. Merci beaucoup de me rejoindre. Suite aux événements qui se passent avec Jean-Bernard Fourtillant, le professeur, qui est un ami personnel mais aussi un ami à Frédéric Chaumont. Bien entendu, nous savons tous, peut-être pas tous aussi, que Jean-Bernard Fourtillant a été incarcéré une nouvelle fois. C'est proprement scandaleux et inacceptable. Aujourd'hui, nous avons donc décidé de monter un collectif très impressionnant avec un site spécialement consacré pour Jean-Bernard Fourtillant pour le défendre. Plus que jamais, nous allons le défendre. Ce qui se passe, c'est politique. C'est politique à plus d'un titre. Puisqu'il avait le bracelet 4 mois, effectivement, et il ne le supportait plus, parce qu'il m'a même dit, la dernière fois que je l'ai vu, « Tu comprends, Julien, les voyous, ils n'ont pas de bracelet, et moi, à 78 ans, on me met un bracelet comme un criminel. » Les fichiers, je rappelle, la plupart n'ont pas de bracelet. C'est bien une affaire politique. Outre cela, le professeur Fourtillant est devenu plus qu'un ami, un confident. Je suis moi-même profondément, bouleversé, et le mot est faible. Ceux qui me connaissent savent que je viens de mettre avec Frédéric Chaumont, beaucoup d'amis, la machine de guerre. Nous allons le sortir de là. Nous montons donc un collectif avec un site. Nous allons faire un direct explosif, je vous le confirme, avec M. Boutry, qui m'a téléphoné donc dimanche. N'oubliez pas cette date, dimanche. Sur la Une TV, avec M. Boutry. Frédéric Chaumont sera l'invité dès 7h. Pour ma part, à 8h, je serai aussi l'invité. Et croyez bien que je vais attaquer comme jamais. J'ai mis effectivement une machine de guerre avec mes amis, qui sont tous juristes. Et donc, je les appelle. Et je les ai appelés, pardon. Pour qu'ils viennent me rejoindre, pour défendre juridiquement Jean-Bernard. Alors, je m'adresse à sa famille, à son épouse que j'ai connue. Nous sommes avec vous, nous ne lâchons rien. Moi-même, j'ai gagné un combat politique, puisqu'il m'avait mis en prison. Et j'ai gagné le combat. Nous allons le gagner, pour Jean-Bernard, pour tous ses amis, pour vous tous, qui combattez la démocratie, la liberté. Je suis... Le mot est faible, scandalisé par le comportement de M. Camberlin, qui nous fait une vidéo, Gérard Camberlin, qui a coulé, pour dire le personnage, coulé avec son bar tabac, pour dire l'intelligence qu'il a, parce que pour couler, qui j'avais averti Jean-Bernard en lui disant qu'il ne fallait pas qu'il le fréquente, et qu'elle l'a manipulé. Jean-Bernard, puisque j'avais dit avec un ami à moi, avec Éric Brunet, qui est adhérent au CNT, Jean-Bernard, surtout n'enlève pas ton bracelet parce qu'ils vont t'interpeller. Et il m'avait écouté. Malheureusement, M. Camberlin, digne d'une petite racaille, et le mot est faible, je l'invite à M. Camberlin parce qu'il va avoir des suites judiciaires, et ça je peux lui assurer, parce qu'il n'y a pas... C'est pas possible de pousser Jean-Bernard à enlever son bracelet. D'ailleurs, M. Camberlin s'en vante. Alors, allez dans le descriptif, et vous verrez ce qu'il en est. Ce qu'il en est, c'est grave ce qu'il dit. Il se vante, il se filme, M. Camberlin, dans la voiture. Eh bien oui, comme ça, ils ont localisé M. Fourtillant, le professeur Fourtillant, pardon. Et là, ils l'ont arrêté. À l'hôtel Ibis, avec M. Camberlin qui aujourd'hui nous pleure, nous fait croire qu'il veut manipuler encore les gens qui vont l'écouter. Alors je vous le dis, mesdames et messieurs, M. Camberlin, c'est une ordure, qui veut manipuler pour faire du buzz sur sa page Facebook, c'est une merde. Mais il va falloir qu'il rende des comptes. Parce que Jean-Bernard, moi quand je l'ai rencontré, je ne me suis pas permis de faire une vidéo. Je suis allé le voir à Chaudes-Aigues. Jamais je me suis permis, j'ai vu qu'il était fatigué. J'aurais pu en faire une, je ne l'ai pas fait.
par respect pour Jean-Bernard, par son état, pour son épouse. Alors, tous ensemble, nous devons résister. Parce que ce qui arrive à Jean-Bernard, c'est ce qu'ils sont en train de programmer avec nous. C'est un scandale ce qui se passe. 30 ans de combat que je mène. Je croyais avoir tout vu. Ah, la racaille. Bon, la racaille, vous savez, c'est qu'ils attaquent. Dans la rue, les personnes, ils font du rodéo. Ils prennent du sursis, ils sont dehors. Mais non, Jean-Bernard Portillan, lui, à 78 ans, c'est un criminel. Mais de qui se moque-t-on? Alors, nous avons donc fait un site. Nous allons mettre le lien. Il va être, bien entendu, agrémenté cette semaine. En même temps, vous aurez aussi une vidéo de Frédéric Chaumont dans le descriptif. Vous allez voir un lien aussi que Frédéric a fait. Nous occupons tous d'une partie. Nous allons donc voir. Et surtout, je vous donne rendez-vous lundi, dès 19h. Après, je passe à 20h. Vous allez voir, c'est le grand rassemblement du peuple français. C'est le grand rassemblement du ras-le-bol, de ces voyous qui ne vont pas incarcérer ceux qui vendent de la drogue, ceux qui attaquent des vieilles, ceux qui sont fichés S. Eh oui, monsieur Macron. Oui, madame Buzyn. Mise en examen. Honte à vous. Honte à ceux qui l'ont arrêté. On ne va pas s'arrêter. On va aller jusqu'au bout. Et je le dis haut et fort, avec vous, ensemble, nous réussirons et nous avons déjà réussi. Alors, pour Jean-Bernard, parce qu'il passe des moments, je vous l'assure, terribles, puisqu'il il est à la prison de la santé, donc je vais lui envoyer des messages pour qu'il le reprenne espoir, parce qu'à son âge, il peut tout arriver. Alors oui, mesdames et messieurs, ému, parce qu'il m'a reçu avec un ami qui ne connaissait pas, Éric Brunet, et il a été respectueux. Il est intelligent, très intelligent. Il dérange. Voilà ce qui se passe. Alors à vous tous, on compte sur vous. Demain, plutôt quand vous allez voir la vidéo, n'oubliez pas la vidéo de Frédéric Chaumont dans le descriptif, les liens concernant le site et l'email, et en même temps, n'oubliez surtout pas, lundi, 19h, 18h, passez le message, partagez cette vidéo, partagez le message, partagez, en masse, c'est là qu'on est fort. Je n'ai jamais perdu le combat, et nous ne le perdrons pas ensemble, nous allons le gagner, et ce combat-là, c'est le déclencheur du ras-le-bol de ce qui se passe en France. Ce n'est pas une démocratie, ce n'est plus un état de droit, c'est un état fasciste, et le mot, il est faible, et il est employé juridiquement, car comme vous le savez, j'emploie des mots justes. Merci à tous, merci pour votre gentillesse, merci pour votre soutien, parce que vous êtes très très nombreux, je viens de rentrer, et je n'ai pas pu, je ne peux plus tenir, voilà. Pour moi, je suis très très malheureux, et le mot est faible, comme vous tous d'ailleurs, comme vous tous, on n'en peut plus. Merci.